La première fois que je suis monté, je devais avoir 8 ans à la tour Eiffel. J'ai pas pu dépasser le premier étage de la tour Eiffel. J'étais allongé en pleurs, je pouvais plus bouger. Et je m'étais fait engueuler par tous mes petits cousins et mes cousins de mon âge là, parce qu'on n'a pas pu aller en haut. Maintenant, je peux passer 10 jours dans une face à 1000 mètres au-dessus du vide. Et, enfin bon, les choses peuvent changer comme ça. Dans une situation un peu dite extrême, la chose la plus précieuse qu'on a, c'est la vie. Le GMHM depuis 2 ans et demi, et je suis dans cette équipe depuis 4 ans et demi. Je pratique l'alpinisme depuis environ 13-14 ans. Je crois que les gens qui pratiquent l'alpinisme ne se rendent pas compte à quel point cette activité, par ce que ça demande d'engagement physique, d'engagement moral, à quel point ça forme des gens très forts moralement et capables de s'adapter à énormément de situations. Alors dans l'équipe du groupe, c'est privilégier le plaisir et la sécurité en allant faire des belles réalisations. Et pour cela, et ben, on s'entraîne. Et nous, on a la chance de pouvoir s'entraîner à l'année. C'est pas le cas on n'est pas dans le cas de la pratique amateur. Donc les risques, on les mesure. Et quand on va faire quelque chose de difficile, c'est qu'avant, on s'est préparé. On ne fait rien au hasard, quoi. Voilà. Donc l'éthique, c'est quand même faire des belles réalisations, faire des belles choses, mais jamais en engageant la vie des gens de façon volontaire. Une expression anglaise qui est magnifique, du reste c'est un titre de c'était un, je crois que c'est un titre de magazine d'escalade, ça s'appelle On the Edge. Voilà, c'est sur l'arête. Et moi je trouve ça... Ça beau, donc faut pas basculer du mauvais côté, mais ça permet de se rendre compte de ce que c'est que la vie. Je dirais que la sagesse, c'est un peu mettre des sensations sur la vie. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je le ressens. Donc là, c'est une manière qui me fait avancer, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'on serait si on était immortel? Qu'est-ce que serait le concertiste de piano un jour il fait un concert, mais c'est incroyable la manière dont il joue. Enfin, je sais pas, moi j'adore la musique classique. Voilà. Et le lendemain, on lui dit t'es immortel, je pense qu'il peut plus jouer. C'est plus la même chose. Et moi je vois la montagne un peu de cette manière. C'est pas pour ça, hein. C'est pas que pour prendre des risques, on vit des choses incroyables, mais c'est lié un petit peu à ça. C'est-à-dire que de prendre une décision qui est vraiment importante. C'est-à-dire qui découvre sur quelque chose, quoi. C'est pas je vais avoir mon bac, je vais pas avoir mon bac. C'est demain je suis là, demain je suis plus là, quoi. Je sais pas, moi, si je fais mal mon nœud, je tombe. Mais mon nœud, je peux pas mal le faire. Si je me concentre bien et tout, je le fais bien. Donc effectivement, pour quelqu'un d'extérieur, le risque, il est. Mais par contre, quand on fait son nœud, on le fait bien. Et ça, c'est quelque chose d'important. On a l'impression de faire des trucs bien. C'est aussi la maîtrise des autres. Enfin, quand on a encordé, ça ne dépend pas que de soi. Ah, mais ça, c'est un truc de dingue. Ouais. C'est, y a beaucoup d'écrivains qui ont essayé de faire transmettre ce qui se passait dans une corde. La corde. On pourrait dire, c'est un bout de nylon, quoi. Ah non, on peut plus comparer ça à un. Il y en a qui l'ont comparé à des cordons ombilicales. On peut le dire, un fil de téléphone, un machin. À la plupart du temps, on arrive sur un truc vivant, quoi, la corde. Et cette corde qui relie tout, justement, tout le long du bivouac, on l'appelle la ligne de vie. Comme un bateau. Ouais, ça fait du gros temps. Voilà, et tout ça passe par la corde. Il y a des moments où on n'a pas besoin de parler. C'est incroyable. Hein, dire, on sent l'autre sur les vibrations de la corde, on sent s'il est taquet, je veux dire, s'il se sent pas bien,
des mots, on apprend à connaître l'autre. Apprendre à connaître l'autre, c'est incroyable aussi en XP. Moi, j'ai fait une XP, on est resté 2 mois à 2. Bien, vous êtes en charge de ce groupe, votre montagne. Et une question fondamentale qu'on trouve tout le temps dans ces situations extrêmes, situations limites, situations de rupture et de crise, qui est très difficile, c'est le leadership, parce qu'il y a bien quelqu'un qui est tête de cordée dans cette affaire. La question du leader au GMHM, c'est quelque chose de très particulier. On a déjà parlé un petit peu ce matin, effectivement, il y a la hiérarchie qui existe. Malgré tout, quand il s'agit de montagne, cette hiérarchie, elle s'inverse, elle peut s'inverser. C'est le technicien qui prend la parole. Et alors, il y a tout un tas de situations où, moi, en tant que chef véritable, hiérarchique, je m'efface un petit peu, je reprends parfois la main, ou parfois j'ai la parole absolue et incontestable. La dernière chose, c'est le leadership vraiment aux situations de crise. Alors, nous, on l'a connu une fois. J'aurais préféré pas le connaître. Je l'avais pas imaginé. Ou alors, en tous les cas, pas tel que ça s'est passé. J'avais déjà imaginé que dans une expédition, on pouvait avoir un mort, un accident. Je m'étais déjà dit, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Mais j'avais pas imaginé que ça pouvait arriver sur deux personnes, sur une cordée. Sur une frontière entre le Tibet et le Népal, sans liaison radio, avec des liaisons difficiles, etc. À partir de là, il a fallu gérer le rapatriement des corps, gérer l'équipe sur place, on est resté encore une dizaine de jours sur place, etc. etc. Enfin bon. Donc cette situation-là, c'est vraiment la situation que personne n'avait imaginée, aussi bien moi que les autres du groupe. Et donc à partir de là, bien évidemment, les règles et les procédures à utiliser, les façons de faire n'existaient pas, enfin n'étaient pas écrites pour nous. J'ai pas eu de scénario à dérouler. Là, je pense honnêtement que j'ai joué mon rôle de leader, j'ai pris la main de l'affaire et j'ai constaté que à partir du moment où j'étais là, tout le monde a suivi, sans se poser de questions. Mais si je ne l'avais pas fait, ça aurait été un autre. C'est pas un problème. Si moi, je n'avais pas senti le truc, pas su ce qu'il fallait faire ou pas trouvé la solution, je pense que dans l'équipe, un autre l'aurait trouvé. Un autre leader serait apparu, c'est sûr. Et après, ce que j'ai envie de dire, c'est que les solutions, on les a trouvées petit à petit. Dans ce sort de huis clos dans lequel on était, nous, là. Tous les 8, simplement avec le bon sens, quoi. Simplement avec le bon sens, simplement en se posant et en se disant, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a ça. En parlant de certaines expériences des uns et des autres, on a sorti des solutions qui, je pense, se sont avérées être les bonnes. Puisqu'au final, pas tout seul bien sûr, mais on a réussi à ramener les corps, l'équipe s'est pas désagrégée sur place, on pouvait parer à différentes éventualités, parce qu'on s'était séparés avec des missions différentes, etc. Donc je pense que cette crise, malgré tout, sur place, a été assez bien gérée. Et pourtant, au départ, il n'y avait rien qu'on aurait pu imaginer, quoi, enfin, qu'une solution écrite. À l'avance. Supposez qu'il y ait le monsieur Shackleton qui soit là et qui vous raconte un peu ce qu'il a fait, son expédition. Si vous avez une question à lui poser sur... ce qui vous semblerait vital à lui poser, vous auriez envie de lui poser quoi comme question? Comment il a fait pour y croire tout le temps et arriver à faire passer le message, quoi? Il a constamment, il a quelque chose d'impossible, là. Ouais, mais justement, c'est à la fin, sa vie et la vie des autres, mais bon, il faisait quand même vraiment passer le message, puisqu'il resserrait tout le monde, c'était de... À la fin, on va dire que sa passion, c'était de sauver son équipe, quoi, en fait.
C'est l'impression que j'en ai au cours du bouquin, à chaque fois que ça revient et tout, et ben c'est, ça devient ça, son idée principale en fait, c'est là-dedans qu'il se retrouve. C'est un peu l'impression que ça me donne, et puis ben, une force de vouloir que les autres y croient tout le temps aussi quoi. C'est hyper important, c'est pas personnel le truc, hein. Il a tenu tout le monde, hein. Il n'y a pas eu de perte dans cette expédition, c'est incroyable. Sur 23 mois. Ah, donc c'est pas des mots qui ont été forcément utilisés, mais qui sont représentatifs, c'est compétences et motivation. Décision et action. Assumer et responsabilité. Moi je dirais cohésion et entraide, que du bonheur et transcendance. Moi je dirais que faut parler un peu pour mettre le point sur l'idée vitale quoi. Moi je dirais dans l'ordre écouter, décider et assumer. Moi je retiendrai le plaisir de faire les choses. Moi deux mots, deux idées, aller à l'essentiel et collectivement. J'ai moi aussi deux mots, intelligence de groupe et implication. Oui. Bah, nous, c'est sûr que je pense qu'au bout de 30 ans, on peut commencer à parler au GMHM d'histoire. Quoi. C'est-à-dire que derrière nous, les gens qui sont au groupe, on sent bien que derrière, il y a un passé, il y a une histoire qui s'est écrite par tout un tas de personnes pendant leur passage au GMHM, plus ou moins long. Et ça, c'est pas quelque chose qui pèse sur nous, mais c'est, je pense que tous, on se sent un petit peu redevable de ça et qu'on a à cœur de continuer d'enrichir ce palmarès et l'histoire de ce groupe. Maintenant, il est clair que, bon, on parle d'aventure au GMHM. Moi, j'aime bien dire que la plus grande des aventures au GMHM, c'est l'aventure humaine. C'est les rapports humains dans un milieu qui est difficile, avec des gens qui ont parfois un ego assez fort, parce que la montagne développe cet ego par les réalisations qu'on peut faire et travailler à faire cohabiter tout ça, à faire que l'ego de chacun puisse se révéler, mais dans ce sentiment collectif et pousser cette collectivité et enrichir cette histoire collective. Et voilà, au final, c'est donc tout ce que je trouve passionnant et intéressant dans cette équipe. Enfin, la richesse des gens qui la composent, c'est tous ces rapports humains, comment ça s'organise, comment les gens arrivent à se révéler, comment les uns les autres se révèlent. Oui, ben aujourd'hui, l'aventure continue et toute l'équipe du GMHM est engagée jusqu'à peu près en 2009 dans un tour du monde. Un tour du monde par étapes qu'on a intitulé 7 continents, 7 alpinismes. Et l'idée pour nous est de montrer les différentes facettes de l'alpinisme à travers les différents savoir-faire et à travers différents types de montagnes. Alors c'est un challenge pour nous parce qu'il va falloir montrer notre polyvalence, partir sur des choses très différentes qui sont à la fois de l'escalade artificielle, de l'escalade libre, de la glace, et donc s'entraîner en conséquence et se préparer en conséquence. Aujourd'hui, on a déjà fait 2 étapes de ce challenge qui ont été en janvier 2005 l'escalade libre au Mali et en novembre 2005 l'escalade mixte en Patagonie. Et on va continuer ensuite à travers le monde. La seule chose qui nous manque, c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le vital? Il y a une envie derrière, donc on se donne à fond. Voilà, et si vous vous donnez à fond, vous aurez la possibilité de vous donner à fond. Pourquoi ? Parce que vous pourrez choisir ce que vous avez envie de faire. Et derrière, il y a des gens qui vont vous aider à ça.